tous, c'est Moulistrad. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo par rapport au club anglais. Et oui, on termine donc cette série par Tottenham. Vous inquiétez pas, on va parler de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie après, mais là on est sur l'Angleterre. Cette saison est plutôt pas mal pour Tottenham, ils ont atteint la deuxième place en première ligue. Par contre en Ligue des Champions, FA Cup et EFL Cup, ça a coincé. Ils sont pas forcément allés toujours très loin et il va falloir faire mieux la saison prochaine. Et pour cela, le mercato c'est important. Mais en soi le mercato, le truc le plus important que vous devez faire, c'est garder vos joueurs. Dele Alli et Harry Kane par exemple. Pas besoin de forcément recruter quelqu'un d'autre. Surtout que vous aviez une jeune équipe. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes raté cette année, c'est que vous manquez d'expérience. Gardez un groupe soudé, formé, évitez d'acheter trop de joueurs, parce que sinon ça va un peu polluer votre truc, et vous allez avoir une équipe ultra compétitive l'année prochaine. Et si j'avais bien un poste peut-être où il faut recruter, c'est sur les côtés, les ailiers. Parce que Son, pour moi, ça n'a pas le niveau. Mais après, c'est le seul joueur qui manque un peu de qualité. Et peut-être un bon milieu de terrain à la place de Wanyama que je trouve un petit peu faiblard. Mais sinon, globalement, vous avez une équipe très forte. Laissez Pochettino bosser un petit peu et laissez-le créer son équipe et normalement tout ira bien. Quels sont les objectifs que doit viser Tottenham? Et bah, contrairement aux autres clubs, je ne pense pas qu'il doit viser tout. Parce que Tottenham n'a pas le groupe encore pour pouvoir tout jouer, tout gagner. Ils ont pas les moyens forcément qu'ont City, United. Ils ont pas le coach aussi optionnellement. Et ils sont plus jeunes. Donc, il faut être performant en Ligue des Champions. Essayer au moins de passer les poules. Ce serait quand même cool. Atteindre les 8e de finale. Et puis en Première Ligue, viser la première place. Là, pour le coup, vous pouvez la viser. Ça fait 2 années d'études que vous êtes deuxième. Je pense que légitimement, vous pouvez vous voir premier. Après les coupes, non. Au moins passer le premier tour à chaque fois. Mais sinon, je vous donne pas vraiment d'objectif. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire? Ça risque d'être compliqué en Ligue des Champions parce que je vous vois pas passer les poules. Encore. Et oui, c'est le mal récurrent que vous avez. Vous êtes tellement focalisé sur votre première ligue que la Ligue des Champions, bah, vous l'oubliez un petit peu. Donc, vous allez encore vous faire éliminer. Par contre, en première ligue, cette fois-ci, vous allez y arriver. Oui, je vous vois gagner la première ligue l'année prochaine. Et ça, c'est fort. Après les coupes, non, vous allez rien faire. Vous allez perdre au premier tour de FL Cup. Voilà, tout de suite, toc toc, vous allez vous faire éliminer. Par contre, en FL Cup, je vous vois aller assez loin. Avec aller un quart de finale. Mais vous allez quand même gagner la première ligue, dont je vous vois faire une très belle saison. Est-ce que le projet de Tottenham prend une très bonne direction? Oui. Et là, c'est un grand oui. J'adore cette équipe, ce projet est bon, avec Pochettino qui est excellent. Tout à l'heure, j'ai dit Pochettino, je m'en fous. Vous avez des joueurs d'expérience en défense, vous avez Lloris, et puis en même temps, vous avez des jeunes avec Kane, avec Dele Alli. C'est une équipe qui se marie très bien et qui va très très bien marcher l'année prochaine. Par contre, là où ça va être chaud, c'est lors des prochains transferts, les prochains mercato. Est-ce que vous allez réussir à conserver vos jeunes ou est-ce que vous allez les vendre pour beaucoup d'argent? Je ne sais pas ça encore ce que vous allez faire. Mais en tout cas, il faudra prendre les bonnes décisions. Et là, on pourra se poser des questions. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé effectivement ces vidéos sur les clubs anglais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, c'est là. Coucou. Et aussi, tu peux regarder une autre vidéo en allant là. Ouais, ce serait cool. Ouais. Tu peux d'abord aller t'abonner, voilà, tu cliques ici, puis après tu regardes une autre vidéo. Ça, c'est vachement bien. C'est un super programme. Ouais, c'est clair que faire les deux, ça m'est pas mal, mais regardez la prochaine vidéo, il paraît qu'elle va être super. N'oubliez pas. Ouais, abonne-toi aussi, optionnellement.